وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui nous allons entamer un sujet inshallah qui vient dans la suite logique de ce que nous avions déjà dit les jours précédents. Nous allons parler inshallah de manière générale de ce qu'on appelle « makarimul akhlaq », c'est-à-dire la bonne moralité, le bon comportement, les bons traits de caractère. Tout ceci se rejoint, Inch'Allah. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq ». Je n'ai été suscité que pour parfaire et compléter le bon comportement ou la bonne moralité. On va l'expliquer ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous enjoint à faire preuve de bonne moralité, de bon comportement et d'avoir les meilleurs traits de caractère. Pour ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue un modèle, puisqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes doué d'une excellente moralité. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun aw iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, notamment dans ce domaine-là. Pour celui qui veut avoir un bon comportement et qui veut avoir les meilleurs traits de caractère, qu'il prenne comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retenez bien ceci car à la fin du cours, on répondra à une question qui vient lever une ambiguïté qui traîne et qui est répandue chez les musulmans. On y reviendra, Inch'Allah. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un hadith rapporté par l'imam al-Tirmizi, d'après la version d'Abi Huraira, hadith authentique, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Inna akmal al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. » Les croyants dont la foi est la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleurs comportements et la plus haute moralité. Donc les hadiths sont nombreux, les versets aussi qui incitent à tous ces bons traits de caractère sont nombreux. Le but n'est pas ici de tous les étaler, on n'aura pas le temps. Je vais juste vous donner une trame de fond, Inch'Allah, et vous donner quelques directives qui se rapportent à ce sujet-là. Il y a une question qui se pose. Ces traits de caractère sont-ils innés chez la personne ou alors ils s'acquièrent dans le temps, par l'exercice, par l'entraînement, par les efforts? C'est une question sur laquelle se sont attardés les savants. Et la réponse à ceci, c'est que certaines qualités peuvent être innées chez la personne et d'autres s'acquièrent. La preuve de ceci, on a le hadith de Al-Ashaj Abdul Qais, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Lorsqu'il est arrivé devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a dit « Inna fika khallatayni yuhibbuhum Allah » Tu as en toi deux qualités qu'Allah aime, deux traits de caractère qu'Allah aime. Al-Hilmu wal-Anatu. Al-Hilmu, c'est ce qu'on appelle la mansuétude. C'est le fait de garder son sang-froid, de ne pas se mettre en colère, de prendre sur soi. C'est ça le hilm. Wal-anatu wa-ta'akkul. C'est-à-dire le fait d'être réfléchi dans toute chose, méthodique, raisonné, ne pas s'empresser. Donc cet homme-là, Al-Ashaj Abdul Qais, avait ces deux qualités. Et le prophète a dit, tu as en toi deux qualités qu'Allah aime. Ces deux-là. Alors, Al-Ashaj a dit, Ya Rasulullah, Hal ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alayhima. Est-ce que ce sont deux qualités que j'ai acquises ou alors Allah m'a créé ainsi? Et le prophète de réponse, sallallahu alayhi wa sallam, bal jabalakallahu alayhima. Mais Allah t'a créé avec ces deux qualités. Et alors, Al-Ashaj Jadi a répondu, a dit, alhamdulillahi alladhi jabalani alayhima bima yuhibbullahu wa rasul. Alhamdulillah, celui qui m'a créé avec ces deux qualités qu'Allah et son prophète aiment. Non, hadith il est authentique. Ça, c'est une preuve pour dire que certaines qualités peuvent être innées chez la personne. On a d'autres qualités qui s'acquièrent. Tout le monde n'est pas comme le prophète. Non, on a tout à apprendre. La preuve de ceci, que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilma bit-ta'allum wa innama al-hilma bit-tahallum. C'est-à-dire, la science ne s'acquiert qu'à travers l'apprentissage.
نعم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم إلى mansuétude ne s'acquiert qu'en faisant l'effort d'être comme ceci, c'est-à-dire en se forçant jusqu'à ce que la personne acquiert cette qualité. Donc vous voyez qu'on a ces deux aspects. Alors, qu'est-ce qu'il y a de meilleur ? Est-ce que la personne qui est créée avec ces deux qualités est préférable à celui qui les acquiert dans le temps ou vice-versa ? Alors, il fait aucun doute que celui qui a été créé avec ces qualités en lui est meilleur. Pour quelle raison ? Comme le dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah tabarak wa ta'ala, car cette personne-là qui a ces qualités innées en lui, ces qualités-là lui suivront dans chacun de ses faits et gestes. L'âme, ce seront comme une seconde nature pour lui. Alors, elles ne lui feront jamais défection. Dans chaque situation, il aura ces deux qualités-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en lui. Alors que celui qui les aura acquises à travers le temps, il se peut que un jour ou dans une situation quelconque, il n'outrepasse cette qualité-là pour X raisons. Donc, il est bien clair que celui qui a ces qualités innées en lui, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur lequel il doit être reconnaissant. Donc au final, on a quatre catégories de personnes. On a celui qui n'a aucune qualité, ni innée ni acquise. Sallallahu alayhi wa sallam. On a celui qui a des qualités innées seulement, mais qui n'a pas fait l'effort de parfaire son comportement et d'acquérir d'autres bons traits de caractère. On a celui qui n'a aucune qualité innée, mais qui a fait l'effort d'acquérir ceci. Et enfin, on a celui qui a des qualités innées et qui a fait l'effort d'acquérir tout ce dont quoi se caractérisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, c'est le meilleur, bien sûr. Alors, je vous ai dit au début de mon intervention que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam « Innama bu'istu li'utammima makarima al-akhlaq » Je n'ai été suscité que pour parfaire les bons comportements, la bonne moralité. La bonne moralité ne se restreint pas seulement dans le caractère. Il y a aussi dans ta religion, dans le suivi, dans l'approche que tu as face aux ordres d'Allah et aux interdictions, il y a aussi des traits de caractère à observer. D'ailleurs, regardez bien, cette législation de l'islam, elle est venue aussi pour parfaire les législations qui ont précédé. Par exemple, la loi du talion. Vous avez déjà entendu parler de la loi du talion ? Lorsqu'une personne tue une autre personne à non-droit, alors, dans un gouvernement islamique, il y a la loi du talion qui s'impose. Chez les juifs, la personne était tuée sans contrepartie. C'est-à-dire, il tuait quelqu'un, on le tuait à sa place. Il n'y avait pas d'autre sentence. C'était celle-ci. Chez les chrétiens, c'était l'extrême. C'est-à-dire qu'il n'était pas tué, mais plutôt on imposait le pardon. C'est-à-dire qu'aucun grief sur lui. Dans l'islam, on a justement ce choix. Une personne qui tue volontairement quelqu'un d'autre, alors dans ce cas-là, il y a trois choix face à lui. Soit la famille du défunt choisisse de le tuer, après décision du juge, bien sûr, ils décident d'appliquer la loi du talion. C'est leur droit. Soit il y a une compensation financière, ad-diya, soit alors al-afu, le pardon. Mais en tout cas, ils ont le choix. Ce choix-là n'avait pas été donné aux générations précédentes. Donc on comprend aussi dans la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhraq » Je n'ai été suscité que pour parfaire le comportement et les bonnes moralités. On retrouve aussi ça dans les règles religieuses. La législation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la plus complète et la plus parfaite. Alors, si je vous pose la question et je vous dis, lorsqu'on parle de bon comportement, husnul khuluq, à quoi vous pensez ? On pense à la patience, au fait d'être affable, au fait d'être généreux, au fait d'être pardonneur, au fait d'être serviable. On pense à toutes ces choses-là, ce qui n'est pas faux. Mais c'est une vision étriquée des choses. Le bon comportement se divise en deux grandes parties, deux grandes subdivisions. La première, c'est le bon comportement vis-à-vis du Créateur. La deuxième, c'est le bon comportement vis-à-vis des créatures. Il y a toujours cette dualité entre la verticalité et l'horizontalité, on va dire. Non. Le bon comportement vis-à-vis du Créateur, et c'est la base, barakallahu fikoum, elle se révèle par trois choses. Premièrement, accepter toutes les informations d'Allah tabaraka wa ta'ala et les déclarer véridiques, notamment les choses qui relèvent de l'invisible, comme le jour dernier, comme ce qui va se passer dans la tombe, ce qui va se passer dans la fin des temps. Toutes ces choses-là dont nous n'avons aucune science, si ce n'est par l'intermédiaire de l'information véridique. Donc toute personne qui mettrait en doute ces informations ou qui ne les accepterait pas dans son cœur ou à travers sa langue, celui-là aura fait preuve de mauvais comportement vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est la première des choses. At-tasdiq ul-tam. C'est pour ceci qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala wa man azdaku min Allahi qila. Et qui est plus véridique qu'Allah dans ses propos ? Personne. Si Allah nous informe de choses qui vont se passer, alors nous devons y porter foi et ajouter foi. Ça, c'est la première des choses.
il doit placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et repousser tous les doutes et toutes les ambiguïtés autour de ceci. Il doit déployer tous ses efforts pour préserver sa croyance et ne pas être touché par les ambiguïtés des mécréants d'une part, qui viennent empoisonner la religion des musulmans, et les innovateurs d'autre part, qui viennent rajouter des choses qui ne font pas partie de la religion. Tout ceci doit être balayé, et revenir au texte religieux. Un exemple. Vous connaissez tous le hadith de la mouche, hadith du dhubab. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ولينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith de la mouche. Lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il l'immerge, c'est-à-dire qu'il la plonge complètement et qu'il la retire. Car dans l'une de ses ailes, il y a un poison, un mal, une maladie, un virus, et dans l'autre, il y a son remède. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de plonger complètement la mouche afin que les deux ailes rentrent ou soient en contact avec l'eau et que le poison, le virus s'annihile. Non. Ce hadith-là, bien qu'il soit rapporté par l'imam al-Bukhari, beaucoup de musulmans l'ont rejeté. Notamment un courant des Mu'tazila, qui n'acceptait pas tout hadith qui ne rentrait pas dans la raison humaine. Donc ils ont été amenés à rejeter beaucoup de hadiths qu'ils ne comprenaient pas. Notamment celui-là. Alors, lorsqu'on est face à ce genre de hadith-là, quand bien même on ne comprend pas la sagesse, on se doit de l'accepter. Sinon, on aura fait preuve d'un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ce hadith-là, la science moderne est venue l'appuyer. Il y a à peu près une trentaine d'années, des savants allemands ont confirmé que, effectivement, chez la mouche, il y a un poison sur l'une des deux ailes et son remède sur l'autre. Mais est-ce qu'on devait attendre que les savants, les médecins, se prononce sur ce hadith pour l'accepter? Non, on se doit de l'accepter parce qu'elle vient de l'information véridique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit de lui, tabaraka wa ta'ala, « La yantiqu anil hawa, innama huwa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. » Ce n'est qu'une révélation inspirée que lui a transmise Jibril, alayhi salam, le doué de force. Donc le prophète ne ment pas, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on n'a pas besoin d'attendre la confirmation des médecins pour confirmer ce hadith, barakallahu fikum. Naam. La deuxième chose, c'est le fait de mettre en pratique les ordres religieux qui ont été stipulés dans les textes religieux. Les mettre en pratique et les exécuter pour ceux qui ont l'autorité. Par exemple, nous sommes au mois de Ramadan. Et vous n'êtes pas sans savoir que le mois de Ramadan, c'est un mois qui est pénible. C'est-à-dire pour le corps, pour l'âme. La personne se fatigue à jeûner, notamment dans les périodes estivales où il fait chaud, etc. Alors, comment la personne doit accepter le mois de Ramadan? Est-ce qu'il doit accepter le mois de Ramadan avec dégoût, avec fainéantise, à reculons, ou alors il doit accepter cette obligation religieuse, mais même cet honneur, puisque le mois de Ramadan, c'est un honneur qu'Allah nous donne, tabarakanta, il nous fait. Ou alors il doit accepter ce mois de Ramadan avec une poitrine ouverte et un cœur apaisé. Ce qui nous est demandé, barakallahu fikoum, c'est bien sûr la deuxième. Et la personne qui acceptera tous les actes religieux, binshrah al-sadr, avec une poitrine ouverte, élargie et un cœur apaisé, celui-là aura fait preuve d'un bon comportement vis-à-vis des lois religieuses et vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, accepter les lois religieuses avec rejet, avec orgueil ou fainéantise, c'est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Jazakum Allah khairan jaza. D'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen dit, pour certains musulmans, si ce n'était pas la peur des mauvaises conséquences du fait qu'ils ne jeûnent pas le mois de Ramadan, ils n'auraient pas jeûné. Mais comme il y a un châtiment au bout, pour celui qui ne jeûne pas, il jeûne. Il est plus ou moins forcé de le faire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit approcher les choses. Barakallahu fikoum. Non, en tout cas, les sahaba n'étaient pas comme ça. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ju'irat kuhratu ayni fi salat. » La fraîcheur de mes yeux m'a été rendue dans la prière. Les compagnons aussi étaient comme ça. Lorsque la prière arrivait, ils avaient hâte d'arriver à l'autre prière. Non, ce n'est pas comme nous, où on fait la prière pour s'en débarrasser, après on passe à autre chose. Ils attendaient avec ardeur l'autre prière. Non. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Athqalu s-salati ala al-munafiqin, salatu al-isha wa salatu al-fajr. » La prière la plus lourde sur les munafiqin, c'est la prière de l'isha et la prière du fajr. Vous savez pourquoi? Non. Mais cette prière-là, est-ce qu'elle est lourde pour les croyants? La preuve. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, « Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha la kabiratun illa ala al-khashirin. »
et chercher aide dans la patience et dans la prière, et celle-ci est lourde, sauf pour ceux qui ont cette crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour eux, la prière n'est pas lourde. Pour les autres, elle sera lourde en fonction du degré de leur foi. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, je répète, le bon comportement envers Allah, c'est premièrement accepter tout ce qu'il nous dit sans éprouver le moindre doute. Une foi parfaite, complète. Naam, tasdiqun tam. Deuxième chose, appliquer et observer les lois religieuses avec un cœur apaisé et avec une poitrine ouverte, comme on dit. Troisième chose et dernière chose, c'est accepter les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala relatifs au destin. Notamment le destin qui porte un préjudice à la personne. Car il est clair et net que l'homme préfère être en bonne santé. Il préfère être riche. Naam, n'est-ce pas ? Vous demandez à quelqu'un est-ce qu'il veut être pauvre ou riche ? La réponse est déjà toute donnée. Pareil pour la maladie et la bonne santé. Mais Allah tabaraka wa ta'ala en a décidé autrement. Il rend malade qui il veut, naam, ou tombe malade. Celui qu'Allah veut, tabaraka wa ta'ala, Allah rend pauvre qui il veut, il rend riche qui il veut, il donne la bonne santé à qui il veut. Bref, tout ceci relève du destin et du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment la personne se doit d'accueillir ce destin ? Comment il doit l'approcher et l'aborder ? Avec le même état d'esprit que celui dans lequel il approche les règles religieuses. C'est-à-dire avec l'acceptation et la patience. As-sabru wa ridha. As-sabru wa ridha. C'est pour ceci que, face au destin, on a 4 degrés chez les personnes. Et ce sont en fait 4 degrés de patience, si on peut le dire comme ça. Le premier, lorsqu'un destin touche la personne, un destin de vicissitude du temps, comme par exemple la maladie, la mort, etc., toutes ces choses-là, qui causent peine et affliction, il y a ceux qui n'acceptent pas le décret d'Allah. Ils se mettent en colère. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ? Ou alors certains insultent Allah carrément. On l'a déjà vu ça aussi. Non, ils insultent la religion. Ils insultent la religion de ton père ou de ta mère. Bah, tout ceci, c'est strictement interdit. Et ça peut même, dans certains cas, arriver à la mécréance. Non, la personne, elle peut dire des actes de mécréance à cause de ceci. Tout simplement parce qu'il n'accepte pas le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors que c'est un bien pour lui au final. Donc ça, c'est une catégorie. Déjà, c'est haram et c'est une catégorie à bannir. Le degré au-dessus, là, on rentre dans les choses qui sont licites. C'est la personne, elle n'accepte pas, mais elle patiente. Elle n'accepte pas le décret qu'Allah lui a décrété, mais elle patiente et elle ne dit rien. Donc, c'est le plus bas degré de ce qui est permis. Celui-là, il sera récompensé par sa patience. Puis, on a un décret, un degré au-dessus, c'est ce qu'on appelle « ridha ». Il accepte. C'est-à-dire, il patiente et en même temps, il accepte dans son cœur ce qu'Allah lui a décrété. Contrairement à la première catégorie, où il aurait préféré qu'Allah lui aurait décrété autre chose. Donc, il patiente et il accepte. Celui-là, il sera récompensé par sa patience et aussi par l'acceptation du décret d'Allah. Et enfin, il y a un degré au-dessus. Et ça, c'est le degré des prophètes. Mais certaines personnes peuvent l'atteindre aussi. C'est ce qu'on appelle un shukr. Il remercie Allah. Donc, celui-là, il patiente, il accepte. Et en plus de ça, il remercie Allah. Et peu de mes serviteurs sont des grands reconnaissants. Voilà pourquoi le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne a été touchée par le bien, qu'il dise « Alhamdulillah ». Et lorsqu'il a été touché par quelque chose qui lui porte préjudice, qu'il dise « Alhamdulillah ala kulli hal ». La louange est à Allah exclusivement dans toute situation. Quand bien même il a été touché par quelque chose qui l'afflige et qui l'attriste. Il est en train de faire quoi ? Il est en train de remercier Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà ce que nous a appris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avoir un bon comportement face au décret divin, c'est l'accepter. Patienter, l'accepter. Et pour celui qui veut gravir les échelons, remercier Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, c'est pas facile. C'est un travail à faire sur soi-même. Mais, inshallah, avec la permission d'Allah, n'importe qui d'entre nous peut y arriver, inshallah. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, wa bashiris sabirin. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et fait bonne annonce aux gens endurants et patients. Ceux-là même qui disent lorsqu'ils ont été touchés par un mal, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournons. Non. C'est pas en insultant Allah ou en insultant le prophète ou en insultant la religion de l'islam. Ça c'est surtout au bled. En France ça se fait moins, mais surtout au bled. Là on l'a clôturé. En résumé, dans les grandes lignes, le bon comportement qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On passe maintenant au deuxième volet, c'est le bon comportement vis-à-vis des créatures. C'est un large sujet. Pour ceci, on va expliquer une parole de l'imam Hassan al-Basri,
rahmatullahi tabarak wa ta'ala alayhi, qui était un grand tabi'i, qui a dit « Khusnul khuluq kafful adha wa bazlun nada wa tariqatul wajh » c'est-à-dire le bon comportement et la bonne moralité, kafful adha, donc c'est se retenir de porter préjudice à quiconque. Wa bazlun nada, c'est le fait d'être prodigue, de donner, d'être généreux. On verra quelles sont les formes de générosité. Wa tariqatul wajh, c'est le fait d'avoir un visage radieux et souriant. Donc on a trois choses ici. La première, s'abstenir de porter préjudice à autrui. Que ce préjudice soit lié ou que ce préjudice se fasse par l'intermédiaire de tes biens, de ta personne, ou alors que tu portes préjudice sur leur intégrité physique, leur intégrité morale, sur leur honneur. Après, toutes ces formes de préjudice-là sont à bannir et à proscrire. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Arafat, donc il a les 10 de l'Hégire, peu de temps avant sa mort, il est mort presque 6 mois après, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait ce fameux discours, fi hajjat al-wada', il était à Arafat, il a dit des paroles importantes qui ont presque une valeur testamentaire. Comme si une personne était sur son lit de mort et il disait ce qu'il y avait de plus important à dire. Alors le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmi hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés comme la sacralité de ce jour-ci, le jour de Arafat, de ce mois-ci, ils étaient à Zulhijja, c'est un mois sacré, et dans cet endroit-ci, là, donc dans les limites du haram, c'est à Arafat. Donc, le prophète ici nous dit clairement que le sang, les biens et l'honneur sont sacrés. Toute personne qui transgresse ces choses-là aura porté préjudice et aura fait preuve d'un mauvais comportement, suivant la gravité de ce qu'il aura fait. Alors, les formes de mauvais comportement sont nombreuses. On a la médisance, calomnie, la raillerie, les insultes, tuer à l'endroit, comme on voit un petit peu partout dans les pays musulmans, comme ceux qui proclament le djihad à tort et à travers et qui tuent des innocents. On a le fait de voler, le fait de spolier les terres, le fait de spolier les biens, le fait d'attenter à l'honneur des gens, à l'honneur des femmes, toutes ces choses-là que vous connaissez. Et toutes ces choses-là, elles ont des degrés de gravité différents. Par exemple, porter préjudice à ton père et à ta mère est plus grave que porter préjudice à ton voisin. Et porter préjudice à ton voisin est plus grave que porter préjudice à un homme inconnu que tu ne connais pas, qui habite à 10 000 km. Chacun selon son degré. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Le bon musulman, on va dire, comme c'est comme ça qu'il faut le comprendre, celui qui se revendique du vrai islam, d'un bel islam, comme celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui dont les musulmans sont préservés de sa main et de sa langue. Et le prophète a dit à cette wassalam, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Alors, les compagnons ont dit, Sahaba qalu ya Rasulullah, man huwa. Qala Rasulullah à cette wassalam, Man la ya'mana, jarahu bawa'iqahu, falaysa bi mu'min. Celui qui ne préserve pas son voisin de son mal, alors celui-là n'est pas croyant. N'est pas croyant, c'est-à-dire n'a pas la foi parfaite. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, Inch'Allah. Il reste musulman croyant, mais il n'a pas un degré de perfection dans la foi. À cause de ceci, justement. Son voisin n'est pas préservé de son mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle kafful adha, comme l'a dit l'imam Hassan al-Basri. C'est s'abstenir de porter préjudice à autrui, quelle que soit la forme du préjudice. Que ce soit un préjudice dans le cœur, par exemple la jalousie, la haine, la rancune, ou alors un préjudice de la langue, comme la calomnie, la médisance, la moquerie, les railleries, toutes ces choses-là, ou alors que ce soit un préjudice de la main, comme le fait de tuer à l'endroit, le fait de frapper à l'endroit, le fait de voler, toutes ces choses-là. Tout ceci doit être proscrit si la personne veut un temps soit peu s'élever vers Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième chose qu'a dit l'imam Hassan al-Basri, et qui reprend le bon comportement, « Bazlun nada, al-nada huwa al-karam » c'est le fait de dépenser et faire preuve de générosité. Et je ne veux pas dire être prodigue, parce qu'être prodigue, c'est le fait de dépenser sans compter. Et ce n'est pas ce qui est demandé dans l'islam. Non, c'est plutôt dépenser là où il y a un intérêt à dépenser. Lorsqu'on parle de générosité, à quoi on pense ? Ça, d'accord, je dépense de mes biens. Non. Mais c'est plus vaste que ça. Être généreux, ce n'est pas seulement être généreux dans ses biens, c'est aussi être généreux dans sa personne. Car tout le monde n'est pas riche, barakallahu fikoum. Comment Allah tabaraka wa ta'ala nous demande d'être généreux alors que la plupart des gens ne sont pas riches? Donc, la personne n'a pas besoin d'être riche pour être généreux. Il peut dépenser de sa personne.
il peut être serviable dans l'aide et le soutien d'autrui. Les formes de générosité sont nombreuses. Naam, alhamdulillah. Comme les formes de bien sont nombreuses. Rappelez-vous le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des gens pauvres sont venus le voir. Ya Rasulallah, dhahaba ahlu ad-dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Il a dit, les gens riches sont partis avec toutes les récompenses. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, mais eux, ils ont quelque chose en plus, c'est qu'ils dépensent du surplus de leurs biens. Alors que nous, ça, nous pouvons le faire quand nous sommes pauvres. Alors le prophète leur a dit, ne vous ai-je pas montré une chose par laquelle vous pouvez faire sadaqa? Ils ont dit, oui, bien sûr, Rasulallah. Ils ont dit, kullu takbiratin sadaqa, wa kullu tahlilatin sadaqa, wa kullu tasbihatin sadaqa, wa amrun bima'rufin sadaqa, wa nahyun an munkarin sadaqa, wa fi buz'i ahadikum sadaqa. Allahu Akbar. Le prophète a dit, à chaque fois que vous direz Allahu Akbar, c'est une sadaqa. À chaque fois que vous direz La ilaha illallah, c'est une sadaqa. À chaque fois que vous direz Subhanallah, c'est une sadaqa. Ordonner un bien, c'est une sadaqa. Réprouver un mal, c'est une sadaqa. Et même le rapport avec vos époux, c'est une sadaqa. Vous connaissez ce que ça fait dans la limite d'Allah, tabarak wa ta'ala. Imaginez-vous. Alors, ce hadith-là, il nous prouve quoi? Il nous prouve que la générosité, elle n'est pas seulement en donnant des biens. Aussi, en prodiguant le bien, tu es généreux. Alors, ce hadith-là, il a un contexte. Dans une des versions de ce hadith, ces gens riches-là, parmi les compagnies, ils ont entendu la parole du prophète. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, on va redoubler d'efforts. Donc, ils se sont mis aussi à dire, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, pour être concernés par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ce qu'ils faisaient déjà comme bonnes actions. Regardez comment les sahabas concouraient après les bonnes actions. Alors, ces gens pauvres, parmi les sahabas, ils ont vu que ces gens riches-là, ils les ont rejoints aussi, même dans ces choses-là, dans le takbir, le tasbih, le tahlil. Alors, ils sont repartis voir le prophète. Ils ont dit, Ya Rasulallah, maintenant, ils font la même chose que nous. Donc, ils ont toujours un train d'avance. Et le prophète, il a dit, Hada fadlun yu'tihi man yasha. Hada fadlun min Allah yu'tihi man yasha. Le prophète a dit, c'est un bienfait d'Allah qu'il donne à qui. Khalas, tu ne pourras pas devancer ce qu'Allah a octroyé aux gens, tabarak wa ta'ala. Donc, tout ça pour vous dire que, barakallahu fik, quand on dit, badlun nada, dépenser de ses largesses, ce n'est pas seulement dans l'argent, c'est dans toute chose. Une chose aussi, propager la science, la da'wa. Chacun à sa mesure, c'est aussi une forme de générosité et le fait de prodiguer le bien et de faire preuve de générosité. Toutes ces choses-là, tout ce qui a un intérêt commun pour la communauté rentre sous cette définition. Parmi les bons traits de caractère, là j'ouvre une petite parenthèse, mais j'ai voulu mettre l'accent sur ceci. Il y a al-afu wa-safa, al-afu, le pardon. Le pardon et la clémence. Et ça c'est important, car Allah tabaraka wa ta'ala, dans de nombreux versets, nous incite à pardonner. Allah dit tabaraka wa ta'ala, الَّذِينَ يُنْفِكُونَ فِي الصَّغْرَاءِ وَالضَّغْرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Allah dit tabaraka wa ta'ala, ceux qui dépensent en secret, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans la difficulté, et ceux qui retiennent leur colère, et ceux qui pardonnent aux gens, et donnent la bonne annonce aux gens bienfaisants. Ceux qui pardonnent aux gens. Non. Une personne dans sa vie, elle est amenée à subir toutes sortes de préjudices. Celui qui se mélange aux gens, il va subir toutes sortes de préjudices. Là, on est à Mecca, il y a du monde, c'est obligé, il y a des choses que vous avez vues qui vous déplaisent, qui sont contraires à la religion, mais pour X raisons, on patiente. Il faut pardonner. Alors, la personne, elle est amenée à subir toutes sortes de préjudices et il doit faire preuve de pardon. Car s'il reprend chaque personne qui fait un mal ou qui lui fait du tort, alors il va se mener une vie difficile. Une vie pratiquement invivable. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, écoutez bien. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِيهِ أَحْسَنِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Écoutez bien ce verset. Allah dit tabaraka wa ta'ala, là je traduis littéralement et je vais vous donner le tafsir de Cheikh Sa'di rahmallah tabaraka wa ta'ala. Les bonnes actions et les mauvaises actions ne sont pas comparables. Repousse par ce qu'il y a de meilleur. Et tu verras que celui avec qui tu avais une animosité deviendra ton fidèle ami. Mais ceci ne peut être obtenu qu'avec la patience. Et ceci ne l'obtiendra que celui qui aura une grâce immense de la part d'Allah.
L'imam Abd al-Rahman ibn Sa'di, rahmallah tabarak wa ta'ala, a dit: les actes de bien et d'obéissance, recherchant par ceci l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala, le Très-Haut, ne sont pas identiques aux actes mauvais et de désobéissance, qui provoquent sa colère et qui ne lui plaisent pas. La bonté envers les gens n'est pas comparable au préjudice envers eux, que ce soit dans le fond, dans la forme et même dans les récompenses qui en résultent. Et Cheikh Sa'di ramène le verset coranique suivant: Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Celui qui fait le bien ne sera récompensé que par le bien. Non. Puis il dit par la suite: Allah ordonne à une forme de bonté spéciale qui a un grand impact. C'est la bonté que tu observes vis-à-vis de celui qui te fait du mal. Allah dit tabarak wa ta'ala: repousse le mal par ce qui est meilleur, notamment celui qui a un droit sur toi, comme les proches, les amis ou autres. Que ce tort soit à travers la parole ou bien les actes, alors repousse-le par ce qu'il y a de meilleur, en faisant preuve de bonté envers lui. S'il coupe les liens de parenté, alors lie-les. S'il te fait injustice, pardonne-lui. S'il parle sur toi en ta présence ou en ton absence, ne t'oppose pas à lui, mais outrepasse, c'est-à-dire pardonne. Et parle-lui de manière douce. Et s'il te délaisse et n'attache point d'importance à ton discours, alors ne lui adresse pas de mauvais propos et adresse-lui le salam. Et si tu réponds au mal par le bien, tu obtiendras et atteindras un immense bénéfice. Là, fin de citation. Donc, pourquoi il est important ce verset? Car la norme chez les gens, c'est qu'on répond au mal par le mal. Il m'a fait ça, je lui fais ça. Non. Œil pour œil, dent pour dent, comme on dit. Donc il ne pardonne pas. Alors que celui qui répond au mal par le bien, ou parce qu'il y a de meilleur, celui-là obtiendra et sera concerné par la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Il y a quelque chose d'important ici, le pardon. Est-ce qu'on doit pardonner dans l'absolu? Est-ce que le pardon est tout le temps louable et demandé? Non. Le pardon est lié à quelque chose de très important. On le pardonne seulement s'il y a une amélioration de la situation derrière. C'est pour ceci qu'Allah dit tabarak wa ta'ala: faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Celui qui pardonne et qui améliore et réforme la situation, alors sa récompense sera auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Un exemple très simple pour que vous compreniez ceci, c'est très important. Imaginez-vous qu'il y a un tueur en série qui tourne dans la ville. Il a commis plusieurs crimes. Et on se rend compte que ce tueur en série, c'est un dégénéré mental, un fou. Non, donc il fait ça par impulsion, bref, il est malade. On arrive à l'attraper, il se trouve devant le juge. Le juge, il s'offre à lui plusieurs possibilités. Soit on lui pardonne, soit on lui met une amende, soit on le réprimande, soit on lui applique une sanction. Bref, il y a plusieurs choses, suivant son cas. Est-ce qu'on va lui pardonner à tous les coups, en lui disant on te pardonne car Allah nous demande de te pardonner et nous incite au pardon, donc tu es libre? Ou alors il est préférable pour celui-là d'envisager autre chose? Si on lui pardonne et on le laisse en liberté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récidiver. Donc il n'y a pas une amélioration de la situation ici. Non. Donc ici le pardon n'est pas demandé. Ici ce qui est demandé, c'est la sanction. Non, mais quoi? Par contre, un frère, il a fait une erreur. Il a glissé sous le coup de la colère, il était fatigué, il t'a dit une mauvaise parole. Non. Et c'est pas quelqu'un qui est connu pour ça. Donc dans ce cas-là ici, le pardon il est demandé. Non. Tu lui pardonnes, khalas. Tu fermes les yeux. Comme faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, des fois il voyait des choses mauvaises, mais il fait semblant de n'avoir rien vu, rien entendu. Yatarafal, il fait semblant d'être distrait. Non. Parce qu'il n'y a pas un intérêt à le faire, à le reprendre, pour qu'il pardonne. Non. Donc ça c'est très important, barakallahu fikoum. C'est que lorsqu'on pardonne, il faut qu'il y ait une maslaha derrière, il faut qu'il y ait un intérêt. S'il n'y a pas une amélioration de la situation, alors, dans ce cas-là, on ne pardonne pas, on sanctionne. Et il se peut que dans la sanction, il y a une amélioration. Cheikh Issa Ibn Taymiyyah a dit: l'amélioration de la situation est obligatoire et demandée. Le pardon est recommandé seulement. Donc, si on pardonne, mais on n'améliore pas la situation, on a fait devancer quelque chose qui est mustahab, recommandé, sur quelque chose qui est obligatoire. Et ceci, ça n'existe pas dans la charia. Vous avez compris, les frères, ça? Réformer une situation, c'est obligatoire en islam. Alors que le pardon est recommandé, mustahab, ce n'est pas une obligation. Donc si je pardonne à quelqu'un, mais je ne fais qu'empirer la situation en le pardonnant, alors j'ai fait devancer quelque chose qui est recommandé sur quelque chose qui est obligatoire. Et ceci, la charia de l'islam n'est pas venue avec ce principe-là. Donc, et bien ceci en tête, barakallahu fikoum. Donc aussi, le pardon est un trait de caractère et ça rentre dans la parole de l'imam Hassan al-Basri lorsqu'il dit « Badlun nada ».
faire preuve de générosité. Car faire preuve de générosité, c'est soit tu donnes ou soit tu laisses un droit qui est le tien. Tu outrepasses sur un droit qui te revient. Par exemple, quelqu'un m'a fait du tort, j'ai le droit de lui répondre, mais j'outrepasse, je pardonne. Là, j'ai fait preuve aussi de générosité. Voilà, on en fait. Non. Troisième chose qu'a cité l'imam Hassan al-Basri, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, talaqatul wajh. Rencontrer les gens avec un visage radieux. Ça aussi, c'est pas dans l'absolu. De manière générale, on va dire, mais pas dans l'absolu. Devant ton ennemi, tu ne montres pas un visage radieux. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait face aux ennemis, il ne leur montrait pas un visage radieux, il leur montrait le visage de la colère. Dans certaines situations, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, montrait des visages de colère. Mais c'était dans un souci éducatif, pour éduquer les gens. Mais d'une manière générale, ton frère, lorsque tu le rencontres, tu lui proposes un bon visage, un visage radieux et souriant. Non. Et pas un visage de quelqu'un qui est constipé. Malheureusement, on voit beaucoup ça. Le prophète a dit à sa salam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإن تلقى أخاك بوجه طريق. Ne négligez rien du bien, ne serait-ce que de rencontrer votre frère avec un visage souriant. Même cette chose-là, il ne faut pas la négliger. Barakallahu fikoum. Pour quelle raison? Car lorsque tu rencontres ton frère avec un visage souriant, il se peut que tu lui as rentré la joie dans son cœur. Naam. Alors que si tu fais l'inverse, tu le rencontres toujours avec le wajh al-abous, c'est-à-dire comme ça, avec les sourcils froncés. Il peut s'imaginer beaucoup de choses. T'as une haine contre lui, ou tu lui veux du mal, ou lui, il t'a dit quelque chose qui t'a pas... Bref, il peut faire tout un cinéma, toute chose. Non. Donc, il faut balayer ça, pour éviter tous ces problèmes-là. Pour finir, Inch'Allah, comment acquérir le bon comportement? On a trois grands moyens, Inch'Allah. Le premier moyen, c'est de reprendre les textes religieux du Coran et de la Sunna, qui reprennent justement tous ces bons traits de caractère et où Allah nous enjoint et nous incite à se qualifier par ces traits de caractère, à travers le Coran et la Sunna. Donc, nous avons tous les versets qui traitent de ceci, nous avons le comportement des prophètes et des hommes vertueux qui ont été cités dans les textes religieux. Tout ceci, normalement, si la personne elle est un tant soit peu sincère, elle devrait s'imprégner et prendre modèle de ceci. Ça, c'est une première méthode pour acquérir le bon comportement. Deuxième méthode, c'est de ne fréquenter que des gens qui ont un bon comportement et une bonne moralité. Le prophète a dit à cet salam à cet effet, مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيَ فَأَمَّا حَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يَحْذِيَكَ إِمَّا أَنْ تَبْتَعَ مِنْهُ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَأَمَّا نَافِخُ الْكِيَ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً. Il a dit, le compagnon vertueux et celui qui ne l'est pas est comparable à celui qui porte du musc, le vendeur de musc, et le forgeron avec son soufflet. Celui qui porte du musc, soit il t'en offrira, soit tu en achèteras de lui, il t'en vendra, soit tu sentiras de lui une bonne odeur. Donc tu profites dans tous les cas. Alors que celui de forgeron qui souffle avec son soufflet, soit il te brûlera tes vêtements, soit tu sentiras de lui une mauvaise odeur. Donc tu seras perdant dans tous les cas. Voilà l'image qu'a donné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la compagnie vertueuse et celle qui ne l'est pas. Donc fréquenter les gens vertueux va avoir un impact sur toi, sans conteste. Et fréquenter les gens pervers, fussak ou fujjar, aura aussi un impact sur toi. Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah disait, فَلْيَنْظُرْ كُلُّ أَحَدٍ أَيْنَ يَضَعُ قَدَمًا. Que chacun d'entre vous regarde où il pose les pieds. Qui tu fréquentes, avec qui tu es. La personne est sur la même religion que son ami intime. Il est impossible que quelqu'un qui essaye de suivre la sunna correctement se retrouve avec un débauché où il le fréquente comme ça H24. C'est impossible. Soit il est comme lui, mais il se donne l'apparence de quelqu'un de vertueux. Soit c'est le contraire. C'est que cette personne-là, elle cherche la compagnie de gens vertueux. Et ça, c'est la motamala affaire. Nous avions parlé de ceci dans un des cours précédents, lorsqu'on avait dit qu'il faut s'éloigner des choses douteuses. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là? Et j'avais cité une parole que citent les savants lorsqu'ils disent « Man arada nafsahu littuham, fala yalumanna man asa'a bihi dhann. » Celui qui expose sa personne aux critiques, qu'il ne vienne pas blâmer celui qui le montre du doigt ou qui a une mauvaise opinion de lui. Donc si tu fréquentes des gens pervers, barakallahu fikoum, ne sois pas étonné que les gens te taxent de pervers. Non. Quand je dis fréquenter, c'est-à-dire avoir les mêmes centres d'intérêt. Tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu sors avec lui, tu fais les mêmes choses avec lui.
Alors que si on est dans un objectif de dawa, alors là c'est permis. Là, quelqu'un, par exemple, il fréquente un musulman qui est loin, qui fait des désobéissances, mais il le prend sous son aile, là, afin de, inchallah, d'essayer de le tirer vers le haut. Ça, c'est louable, alhamdoulilah. On ne va pas dire qu'il le fréquente, on va dire qu'il le prend sous son giron. Mais quand je dis fréquenter, c'est-à-dire qu'il a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes occupations. C'est dans ce sens-là que je parle. Non. Au final, les frères, quel est le modèle à suivre ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait la meilleure moralité, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci, on le voit à travers plusieurs situations. Rappelez-vous, vous connaissez tous ce hadith. Un bédouin est rentré dans la mosquée, il est parti dans un coin de la mosquée et a uriné. Certains compagnons ont vu ceci. Ils lui ont sauté dessus, ils l'ont bousculé, ils l'ont chahuté, comme on dit. Taqillah, qu'est-ce que tu fais? C'est un lieu où on fait la prière, etc. Ils l'ont vraiment surmené. Jusqu'à ce que le prophète a vu cette situation, il leur a dit laissez-le, laissez-le finir d'uriner. Imaginez-vous. Lorsqu'il a fini d'uriner, le prophète est parti le voir avec un ton calme, serein. Il lui a dit les mosquées sont des endroits où on prie et où on évoque le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala. Il ne convient pas d'y faire ses besoins. Puis le prophète a ordonné qu'on ramène un seau d'eau et il l'a versé sur l'urine. Cet homme-là, au final, ce bédouin, a fait une dua pour lui et le prophète seulement. Il a dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Mohammed et ne fais miséricorde à personne d'autre. » Pourquoi ? Parce qu'il l'avait chahuté, il l'avait bousculé. Non. Donc le prophète, regardez, le prophète a fait preuve de mansuétude face à ce bédouin. Et au final, ce bédouin a accepté l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il y avait ce cas, le cas de cet homme-là, il nous concerne, parce qu'on est encore au mois de Ramadan, un homme qui avait fait le rapport avec son épouse en plein mois de Ramadan. Alors il est parti voir le prophète, il lui a dit « Rasoulallah, j'ai fait quelque chose de très grave. » Et le prophète, très calme, lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il a dit j'ai fait le rapport avec mon épouse. » Il a dit « Est-ce que tu as de quoi libérer un esclave ?» Il a dit « Non. » Alors le prophète lui a dit « Est-ce que tu as la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs ?» Il a dit « J'ai pas la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs. » Le prophète lui a dit « Est-ce que tu as la possibilité de nourrir 60 pauvres ?» Et il a dit « Non. » Alors, à ce moment-là, on avait rapporté un petit panier de dattes au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit « Tiens, prends ceci et fais aumône de ceci. » Et l'homme, il a dit « Il n'y a pas entre les deux El Labatayn, c'est-à-dire les deux plaines de Médine, les deux terrains rocailleux de Médine, d'est en ouest, il n'y a pas entre ces deux plaines, c'est-à-dire il n'y a pas à Médine, un homme qui a le plus besoin de ces dattes que moi. » Alors le prophète a souri et a dit « Prends-les pour toi. » Vous voyez que le prophète, dans l'approche, dans le comportement qu'il a eu, sallallahu alayhi wa sallam, et l'approche qu'il a eu avec cet homme-là, il n'a pas, ne s'est pas énervé, il n'a pas haussé le ton, ou il n'a pas réprimandé sévèrement. Non. Il l'a accueilli avec douceur. Et c'est la base dans l'éducation et dans la da'wa, c'est la douceur. La dureté, elle ne vient que dans des situations précises. À la base, on doit être doux et affable. Allah dit tabarak wa ta'ala, à Moussa et Haroun, lorsqu'ils l'ont envoyé à Pharaon, un des plus grands taroutes de cette terre. Et aller vers lui et proférer des propos doux, afin qu'il se rappelle ou qu'il craigne leur Seigneur. Non. Pour finir, je voulais lever une ambiguïté qui est répandue chez les musulmans. Il y a un état de fait, un constat qu'on fait. C'est que, effectivement, si on regarde la communauté d'islam dans son ensemble, on voit qu'on est loin de ces principes-là, n'est-ce pas? On a encore du travail à faire. Alors certains nous disent, parmi les musulmans entre autres, les mécréants ont un meilleur comportement que les musulmans. Vous avez déjà entendu ceci? Ils sont honnêtes, ils volent pas, ils trahissent pas, ils trompent pas, alors que les musulmans c'est tout le contraire. Certains nous disent ça. Ça c'est une erreur de dire ça. Voilà, je vais vous citer un verset coranique qui vient, c'est comme un postulat de base, c'est-à-dire qui vient planter le décor. Allah dit tabarak wa ta'ala, inna allazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Les mécréants parmi les gens du livre et les associateurs iront en enfer éternellement et ceux-là sont les pires des créatures. Alors comment on peut dire qu'ils ont un meilleur comportement que les musulmans si ce sont les pires des créatures? Cheikh Uthaymin dit, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, lorsqu'on dit que les mécréants ont un bon comportement, notamment dans les transactions commerciales, tout ce qui s'ensuit, ils n'ont un bon comportement car ceci ne vient que dans l'intérêt des bénéfices qu'ils espèrent toucher de leur commerce. Car pour eux, comme vous le dites, Al-Faymin, je reprends ces termes, ce sont des adorateurs de l'madda, des adorateurs du matériel. Donc, ils vont exceller dans tout ce qui est matériel. Eux, ils ne vont pas avoir un bon comportement pour avoir un bon comportement, mais ils vont avoir un bon comportement
parce que c'est une source de bénéfices et ils peuvent acquérir une crédibilité chez les gens, ni plus ni moins. Alors que le musulman, lorsqu'il se dote d'un bon comportement, il le fait pour Allah, tabarak wa ta'ala. Donc on n'est pas sur le même plan. Donc le fait de dire que les mécréants ont un meilleur comportement que les musulmans, cette parole-là, elle est fausse. Elle ne doit pas être dite. Mais ce sont les pires des créatures, sur tous les aspects. Et pour celui qui fattache un petit peu et qui cherche un petit peu, il verra que ce sont des gens qui trompent, qui volent, qui trahissent, qui sont acculés. Voilà. Quand vous avez des peuples riches, ça ne sera pas clair et évident. Mais si vous avez des peuples qui sont pauvres, chez les mécréants, vous verrez qu'ils font les pires des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une situation de survie. Donc ils vont voler, ils vont mentir, ils vont trahir, ils vont tromper. Voilà. Donc aucune différence. Donc barakallahu fikoum, ne soyez pas trompés par ceci. Jazakumullah khair jaza. Et certains aussi, certaines personnes parmi des do'ats de l'égarement disent que, comme un est venu en France il y a quelques années, il a dit « Je n'ai jamais vu des gens plus éduqués que les Français. » Comme ça, il a dit. « Bihadi il-jur'a, subhanallah. » Ils sont les musulmans dans ça. Alors que lui, c'est un musulman qui a grandi ici dans le royaume et il dit cette parole-là. Comment on peut dire des choses comme ça ? Non. On va finir par ça, inshallah, tabarak wa ta'ala. Salat tabarak wa ta'ala, an yamunna alayna bimakarim al-akhlaq. نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريدا إلا شفيته ولا فاقدا إلا أعطيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم الله فيكم الله فيكم الله فيكم الله فيكم الله فيكم وقل رب زدني علما